Et yo YouTube, c'est Wix, on se retrouve aujourd'hui pour un 1v1 sur le tournoi de Malm, 6v5. On joue aujourd'hui le premier match contre Wetaria. On joue aujourd'hui le Japon après 6 bans de chaque côté. Il a counterpick avec une Didon. On est sur une map Pangée, donc il va aussi avoir des settled inland. Didon, si elle a beaucoup de place, ça risque de nous sim. S'il n'y a pas beaucoup de place, par contre, en l'occurrence, je devrais loot sim. Le Japon c'est fort sur pas beaucoup, forcément beaucoup de villes. Il y a des bons bonus de proxy. Si on tient le late game, on aura des plus grosses zones induites certainement que Didon. Donc il va falloir sim, pas négliger le naval, faire attention aux amiraux. Didon c'est des très très bons amiraux. Donc ça dépend comment on spawn. Ça se trouve, on va spawn inland dans un lac, donc on va pouvoir plutôt jouer la religion. Et puis jouer inland, on sait pas, on va pouvoir s'adapter. C'est vraiment le point fort de cette cible. Ok. On arrive à jusqu'au tour 9. Alors. Jusqu'au tour 8 d'ailleurs. Alors, ce start, qu'est-ce qu'on en pense? C'est plutôt pas mal, on a un port à plus 5. On a enfin, le haut de la map en haut. On a l'air d'avoir des chocs faciles à défendre. C'est une quoi ça? C'est le Pantalassa. Un océan. C'est pas une baie déjà. On va aller voir plutôt la côte pour commencer. Ok. Là, on a deux choix. Soit on reste sur place, on reste là. Qu'est-ce qu'on fait là? On a envie de partir sur port. On a quelque chose pour choper quand même le premier Panthéon là, qui est le dieu de la mer, qui pourrait vraiment mettre dans le mal d'Ido. Mais il y a aussi le Panthéon. Il y a aussi le Panthéon des dieux de la guerre et du pillage qui est fort. Mais oui, on a un port à plus 6 là. On va s'étaler sur place, je pense. Par contre, on n'a pas de bonne 2-1 pour le début. On a une 2-2 derrière et c'est l'océan aussi, c'est la côte ici. Ok. Faut attention, il faudra peut-être faire des villes canal hein, pour pas se faire niquer. On va partir sur une 2-1 quand même. C'est pas la folie. On va devoir acheter une case certainement en early game. Est-ce qu'on part lieu sain ou pas? On va partir navigation à la voile, je pense. Assez vite. Puis on va aller voir la côte surtout. On y va. De toute façon, on a remap si ça nous plaît pas. Si on voit que c'est éclataxe. Là, on a un bon port, enfin, on a un bon campus grâce au récif. Là, c'est de l'eau douce sur ce côté-là. Ok. Par contre, on n'a pas un très très bon port, mais on peut faire un campus là quand même à plus 4 avec le récif. On a là un peu de nourriture, mais on n'a pas de poisson. On est tour 7. Ok, on a de la baleine 3-2 dans le coin. Ça n'a pas acheté la bonne case, donc on va l'acheter. Pour quand même avoir une 2-2 là. On va exploiter la 1-3 maintenant et on va faire notre premier colon. Aller chercher le meilleur settle. Oh là là, il y a plein de récifs, mais du coup, c'est pas vraiment des poissons. Une vue de canal ici. C'est le bout de la mer ici. Ça. Le start me fait vraiment pas plaisir parce que c'est le bout de la mer ici. Vais quand même faire un port à plus 3 qui touche ça assez vite. Ville canal. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie quoi? Je suis pas sûr. Hein. De toute façon, je pense que ça part par en haut un peu. Il y a du poiscaille, mais si j'ai pas de vue de la mer, c'est complicados. Là, on a un port ok, avec un campus ok à côté. Je peux mettre une ville là. Par contre, si je mets la ville là, j'ai pas de port. Je suis obligé de mettre une ville là, avec ça là. Un campus là. Pour le late game. J'ai des 2-2, j'ai un peu de nourriture là. Je sais pas, je trouve ça assez moyen comme start. Je sais pas si je peux avoir mieux. Parce que là, j'ai quand même pas trop de settle à droite.
Mais je peux avoir pire en fait. Je suis pas des poissons récifs, en fait j'ai beaucoup de récifs comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense qu'il faut remap ça. Je suis trop lent sur mon start. Et j'ai pas de d'autre bon port que ma cape. Si j'ai un bon port là, à plus 5. Je serais bien un remap là-dessus. Hein. Je pense qu'il a joué assez vite parce qu'il est assez content de son start. Et moi, je suis très moyen. J'aime pas avoir un land éclaté comme ça où je peux pas faire des villes autour de ma cape. Et là, je peux juste faire une ville naze. Malgré que j'ai un bon port, je pense que je peux avoir mieux. Donc je vais mettre oui. Il a mis remap, j'ai l'impression. T'as mis remap? Ah merde, du coup c'est remap ou pas? T'as mis remap toi? Non, j'ai mis. Ouais, j'ai mis yes. Ah ok, d'accord. Et ça apparaît en rouge, c'est le cheat. Je sais pas si ton start était bien, mais moi c'était bizarre. J'avais un bon port plus 6, mais derrière, Ah, j'avais c'était un éclatasse. Vésuve qui avait pété. Oh là 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 là. T'as joué vite! Là en fait, en Non, vrai, t'as Vésuve joué. B3 parce qu'il fallait que je fasse quand même ma ville costale avant. T'as joué tellement vite que j'ai dit putain, c'est sûr qu'il a un bon land. Et moi j'étais Ou un moyennement land convaincu. dégueulasse. Ça aurait Putain, pu mais être c'est un quoi land tous ces dégueulasse. mecs là? Tout à l'heure j'ai fait un duel, le mec avait Vésuve aussi. Ah, Aïe aïe sérieux? aïe. Aïe aïe. Ok, on voit déjà les extrémités de la carte, c'est plutôt pas mal. C'est déjà un meilleur start, ça a déjà fait plus plaisir. Alors j'ai deux choix, soit je commence là. Si je commence là, ça me donne accès à quoi? Là en fait j'ai un campus qui est insane. Si je me mets là, j'ai le même port. Je commence avec un bouffe en plus, je perds une 2-2, mais j'ai toujours la 2-2 et la 3-2. Je suis à la même distance que la 3-2, mais là c'est vraiment une one shot pour m'attaquer. Donc c'est peut-être plus safe de rester là. 2, 3. C'est-à-dire qu'on peut faire une ville de toute façon ici. Touchera le port ici. Mais ouais, 4 cases ouvertes navales, c'est pas ouf. Là, au moins, je suis en one shot tile, enfin one shot tile, c'est facile à défendre avec deux caravelles ici. J'ai le plus 4 sur la mer, machin. Donc après, si je suis rendu là, c'est pas bon. On va s'étaler là du coup. Sur place, on aurait dû bouger d'abord. Je pense que c'est pas trop mal. Puis ça remap, ça remap. On va partir sur un seul éclaireur, je pense. Et on va partir sur les petits bateaux. J'ai l'air d'avoir un bon panthéon de la mer. Peut-être que j'irai exploiter cette case de perles pendant un tour seulement. Juste un tour, histoire d'avoir un petit edge sur lui. Ok, on a une autre ville costale avec une banane 3-2. Et là, on a directement une rivière et un lac à côté. À voir. Ok, on a un port plus 4 avec une banane 3-2. C'est plutôt ok. Enfin, j'ai confondu ça avec un autre crabe, mais ça me fait quand même port plus 4 parce que je suis le Japon. On a de l'ambre, ce qui est une bonne ressource, mais il en fait qu'un seul continent. Que la continent de la Pangée. Pas mal ça. Plutôt pas mal ça. Une deuxième ville là-bas, avec un autre port intéressant. Mais qu'en plus on passe si mal non plus.
Allez, on va partir sur le colon du coup. La hutte elle est vraiment bien. Au début de partie. Partir sur les ports. Et sur les dieux saints, on fera pas le dieu saint, je pense pas. Ok. On va certainement mettre nos districts ici. Il y a un port qu'on peut mettre là dans tous les cas. Enfin, campus. Petit bateau d'abord ou pas? Ou artisanat d'abord? Partir là-dessus, je pense. Map. Non, non, je remap. Tu remap? Non, non, non. Ah, ok, on a goût de la café du coup. Ouais, let's go. Good luck. Ok, ce sera sur cette map du coup. Pas trop mal, on a du spawning land. On est au Japon donc on est un peu plus hybride. Donc c'est pas mal. C'est la toundra par là, ça me plaît un peu moins. Ok. Un lac. On va faire de la foi. Chose par là en bas, mais je pense que ça va être une CS. Ok, c'est un peu free. La valette. Ok, on a le first mid dessus, c'est pas mal. Un émissaire. Ok. On a l'air assez loin de notre adversaire, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on a le temps de sim. Et l'émissaire il fait plaisir aussi parce que ça nous permet potentiellement des points. Il joue vite, hein, Waiteria. Bonne course, mec. On va essayer de passer dans le lac. Délire. Je viens de jouer là? Je croyais que je pouvais settle ce tour-ci. Ok. Ça c'est fait. On va travailler le petit bateau ici. Il n'y a rien dans cette toundra, on va revenir au centre. Ok. On part sur les bateaux directs. On lock nos districts le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai pas envie de partir sur un. J'ai envie de partir sur un bâtisseur d'abord. Et peut-être partir sur mes plantations pour avoir un peu plus de gold et d'habitation. Ok, c'est bon pour le Panthéon. On a les 12 de fois. Par contre, on l'a pas eu ce tour-ci.
Peut-être qu'il l'a chopé avant nous. Le premier à l'avoir vu. Ok. Ça peut dire qu'il est très très loin de nous. C'est un bon truc, mais ça peut dire aussi qu'il a énormément de place pour cette aile. Comme je disais, c'était pas forcément le meilleur plan pour nous. Ok, ça c'est bien. Ça c'est plutôt bien. On avait le panthéon qu'on voulait. Avec une vie d'ici, on peut également choper ce poisson là plus tard. On a un bon start, on va pas se plaindre. Toujours pas de nouvelles du monsieur. Je serai un bâtisseur pour la nouvelle ville. L'aide nationale, ok. Toujours rien là à apporter. Est-ce que la bête on peut pas tuer? On peut pas tuer cité état. Donc, dire qu'on a full place, on a la bonne place inland. On assure l'âge d'or aussi. Avec un port plus 4 et un campus, je pense que ça devrait le faire. C'est pas de la bonne case. On devrait pas tarder à le croiser là, je pense. Hein. On va juste revenir voir cette zone avec mon guerrier. La map a l'air immense. C'est bien une map duel pourtant, mais il est où? Il est où mon adversaire là? L'avantage c'est que je fais vraiment pas mal de gold. J'ai acheté un monument early en fait, plutôt qu'un bâtisseur. Parce que là je peux exploiter la 3-1 avec la. Enfin cette case là et cette case là. Donc c'est plutôt pas mal. Faut que je réfléchisse à mon âge d'or, il y a le bateau. Pas mal de choses quand même. On va attendre un peu. Oh, les étals sont bien aussi là. Une cité talent. Cité état religieuse, ok. On est très loin pour jouer une. Pour jouer une. Comment ça s'appelle? Pour jouer une victoire religieuse. On a une grosse, grosse liang dans la cape aussi. On a vraiment une grosse liang qui nous fait une capitale de malade. Là, j'ai pas envie de tomber dans le piège de la. On va aller voir avec celle-là, là. La cité-état. On va revenir par là avec mon monsieur. La galère m'offre pas grand-chose, elle m'offre juste les points. Pour l'instant, elle est pas très intéressante pour le développement. Donc, on va quand même la faire pour avoir les points. Là, je pense qu'il a énormément de place pour se développer. Énormément de place pour se développer. Ok, il est là. Je vois pas sa loyauté. On a énormément de place. Ok, il me reste un point pour mon panthéon. Donc c'est bon, j'ai juste besoin de faire de la navigation astronomique. Ça se trouve, on peut passer là-dedans. Il a l'air très très loin de lui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de distance. Il faut que je place mes villes costales en prio. Il faut que je les place vite.
Tiens, on n'a pas Gaius pour le début. On a un ouragan, mais nous on s'en fout. On résiste aux ouragans. On résiste aux ouragans. Ok, il est vraiment par là. Lasca, on est en first mid, donc il est vraiment très loin de chez nous. Vraiment très loin de chez nous. Ça passe pas par en haut dans tous les cas. Je vais voir par en bas si jamais ça passe en dessous de la map. Moins 12. Faut juste que je récupère l'info sur son land. Torridor est ok. Par contre, j'ai pas trop. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de villes costales sur cette côte-là, et c'est avec ça que je vais devoir me fight. Donc, c'est des villes que je dois setup. Et il me reste une ville là. Et à la rigueur, je peux mettre une ville là, mais c'est trop faible. Donc, on va rester inland avec des gros centres de production. Il nous fera beaucoup de pré-build, beaucoup de science, et un sim. Et des gold aussi. Ouragan qui a fertilisé les cases, pas du tout. Pas du tout. Alors on va lock le port. Priorité. Priorité de lock le port. Après je peux faire la place là et le campus là. Après j'ai aussi campus là direct. Je sais pas où je vais faire ma place de la bouve. Non, je peux pas passer par en dessous. On veut les portes, donc ils sont pas chers. Là, on a réussi à poser nos trois villes avant de faire les ports. Tac. Ok, nos 4 centres de production, ça va être ça. Sur le maritime. C'est pas fou, je pense qu'il doit avoir mieux en fait. Je suis pas sûr. Poterie un tour, on va. Okay, on va laisser. Je pense qu'on va partir sur les bananes maintenant. On a une bonne irrigation, on a pas mal d'irrigation à faire. Ça cap ça? Il est parti sur un lieu sain. Il vient de partir sur un lieu sain à plus 5. Ok. Chelou. On a notre âge d'or. Là, il y a une Wonder encore au top, putain. Me dis pas que c'est un Vésuve. S'il te plaît, me dis pas que c'est un Vésuve encore. Moi, je l'ai pas de la Wonder là. Et ça se trouve, il a les deux Wonder de son côté. Ah non, il a la Wonder avec la. L'eau douce. On va faire les colons d'abord. Mes deux colons, surtout ici en fait. On va aller chercher poterie. Alors, qu'est-ce que je prends en premier gouvernement? J'ai une moshka de qualité. Et j'ai un moshka ok. Est-ce que je prendrais pas un moshka, genre dans cette ville-là, il va avoir quand même de la nourriture. Et je mets. Oh, j'ai besoin de salle d'audience. Non, je vais mettre un moshka dans la cage, je changerai plus tard peut-être, mais. Elle a beaucoup de pop. Enfin, plus de pop pour mon early game en tout cas. Je pense que ça va jouer sur les petits bateaux donc. Oh putain, fait chier. Franchement, fait chier. Il l'a pas vu encore. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais il a spawn à côté de l'Ejaku machin là. Ça le carry tellement en début de partie là. Parce que les Wonder, l'autre elle est là, quand même assez proche de lui. Après j'ai des bons settles, mais c'est loin quoi. Ok, c'est pas grave. On va se concentrer. Créer une ferme sur une ressource. On peut créer l'Oreka là, mais. Au moins notre âge d'or, mais lui devrait certainement l'avoir avec sa religion. Dans tous les cas. Je sais pas s'il a réussi à passer avec ses trucs lui.
On a 170 gold également. Est-ce que j'achèterais pas un petit monument? Je suis à 26 tours. Je vais acheter un monument pour rapidement carry cette ville. On a de la thune, donc autant en profiter. Il faudrait faire une route vers la Valette. Normalement, ça devrait passer, je pense. Ok, c'est quoi ça Panthéon? C'est chemin sacré. Okay, il est parti sur un chemin sacré. Oh, si, il a pas été voir sa toundra là, vraiment. Cette ville là, elle est côtière ou pas? C'est la question. Il manque une cité-état que j'ai pas vue pour l'instant, il faudrait que j'aille vers le sud pour la voir. Je pense qu'elle doit être dans le coin là-bas. Trois tours pour ça. Après la distance, elle est vraiment très proche. Là, il faut juste rush la science 4 villes, je pense. 5 villes. Et puis là, je vais faire une ville vraiment la meilleure possible. Genre ici, et je vais aller le taper sur les galères en fait. Enfin, sur les frégates. Parce que j'ai des bons campus. J'ai campus et gold. Il me faut de la culture. Il faut vraiment beaucoup de culture. Et de la thune. Ouais, c'est que je peux pas vraiment commercer avec beaucoup de monde. Pour l'instant, il l'a pas vu cette chose. Faudrait que... C'est moi qui l'ai vu en premier et j'ai un machin là. Il l'a pas vu encore cette Wander. On est vraiment à quelques cases. Donc si j'ai plus de science en early, je suis bien mieux. Et ça va jouer dès la sortie des ports, mais il faut que je sorte après mon âge d'or dans tous les cas. Faudra faire gaffe à la religion, mais j'ai pas mal de villes, donc pourquoi pas. Il est parti encore sur un lieu saint. Fera peut-être un petit lieu saint, histoire de... Là, s'il fait ça et qu'il a beaucoup de villes... Ah, c'est peut-être sa strat, genre qu'il ait beaucoup de villes et puis qu'il met la religion en mode sac à proutes. Ok, port 2 tours. C'est bon, on va le faire direct. Attends ici. Toutes ces villes sont costales. Si on prend sa capitale, de toute façon, on instant gagne en fait. On rollface sa capitale et puis c'est et puis go quoi. Prochain tour. Oh non, j'ai sorti mon. Moi c'est pas grave, ça va jouer sur peu de choses. Je vais acheter mon bâtisseur, on va faire un phare, on va commencer à faire des points. Parce que là, il est parti vraiment sur des lieux saints. Ok. Il faudrait une place de la gouffre, je pense. Pour avoir une grosse reina. Là, il y a une grosse reina à mettre. On va mettre ça là comme ça fera un plus 3. Après, il y a aussi là le campus qui est plus fort parce qu'il permet d'avoir le campus là. Faut la salle d'audience assez vite pour avoir des gros centres de prod. On va rester sur 5 villes en fait. La distance est vraiment minime. Je pense que lui il va partir sur libre-pensée là. Il n'a pas commencé à faire des points de. La Valette, est-ce qu'il veut s'user la Valette en fait? J'ai peut-être pas vu ça, mais.
C'était bien une rue commerciale. Ça, s'il est parti Dieu Saint First, il est vraiment pas bien. Hein. Faire une deuxième galère pour avoir le Reka. Et on va all-in. Hein. Nous faut des golds, il nous faut aussi beaucoup de culture. La culture, on en a un peu grâce à ces cases-là. Est-ce que je devrais pas me mettre là pour choper vraiment toutes les cases de culture et que cette ville serve à avoir 4 de culture? Je sais pas trop. Reyna. Du coup, je veux Reyna en bot là, sur Sendai. Est-ce que je vais pas sur place, j'achète ça. J'ai juste passé deux cases. Ah, si je me mets là, j'ai un campus plus 3 instant. Aussi un monde où je prends Gaius directement. Je ferme mes phares en fait. Dans deux tours, attendez. Bâtisseur. Alors j'achète un bâtisseur pour cette ville. D'ailleurs je vais l'acheter directement là pour mettre là-bas. Là j'ai l'impression que j'ai parti sur de la monumentalité. Hein. Concisez deux galères. On en fera une au tour prochain pour le Reka. On va chop ça après pour faire un une galère dessus. Faut que j'aille au plus vite sur mercenaire. Il faut 8 unités militaires terrestres. J'ai pas de tech les poneys encore. On va juste tech les poneys vite fait. Oligarchie tous les jours. On fait plus de colons. On veut bien point plus 2. On veut produire les galères plus vite. Et on veut coût des bâtisseurs 30%. Ok. Élevage, c'est bon. Trois quartiers différents, on peut le faire. Deux galères, il nous faut deux galères. À prendre le contrôle des cités-états quand même. Il a la culture un peu grâce à ça. Là, il a pas de science. C'est bizarre son plan de jeu là. Enfin, à moins qu'il n'est pas costal, c'est pour ça que je veux l'information assez vite là. Sur s'il est costal ou pas. Tir est costal. One shock tile. Pour tir. Bande abonnée.
Je conteste ça en fait. C'est quoi les gars? Il en a un point là. Construire un campement. Il faut ça, il faut tradition navale. On va partir sur ça direct. Y a théologie aussi que je peux prendre pas cher. Mais j'ai plutôt aller partir sur le haut là. Toujours pas de port pour lui. J'ai l'impression pas de galère non plus. Pas encore nos quartiers différents. Une tour Arena 2 en bas. Tous mes guerriers. On développe bien cette ville, mais elle manque d'habitation. C'est vraiment la salle d'audience. Ah, attendez, je sais ce que je vais faire. On va acheter un grenier. La deuxième galère va bientôt sortir. Là, on optimise à mort et faut qu'on garde notre thune aussi là. Faut qu'on arrête d'acheter, mais c'est trop bien d'acheter dans le jeu. Pas de port de son côté pour l'instant. Après, il a de la foi. Il y a de la foi, il pourrait peut-être acheter Gaius lui-même. J'ai commencé à faire des projets pour choper Gaius. J'ai 31 gold par tour, faut que je garde ma thune. Loisir, c'est bon. Trajet avancé, c'est lui qui m'a déclaré la guerre, c'est pas, c'est parfait. Unité avec une quadrième, c'est chaud. Il a 7 de science. Il sera jamais sur les caravelles. Il sera vraiment jamais sur les caravelles, quoi. Là, je manque de bouffe un peu. Avec le phare, ça ira mieux. Campus plus 4, c'est parti. Ça ne fera la quête de Cessa. Pour ça. Cartographie 3 tech. Va juste faire un campus. Est-ce que je peux faire de la gold? Ouais, Nazca, parfait ça. Parfait Nazca. Qui est un petit port. On récupère le sus de Bandar. Ah, il va pas pouvoir placer son combo, ça se trouve. On prend les bons choix macro. C'est une game qui va aller vite, hein. C'est parce que si je le tombe pas, lui en leur monumentalité. Il a pris défenseur à la fois. Et ouvrir le monde. Comment ces ports? Putain, c'est pas les bons trucs quoi. Heureusement, c'est pas les bons trucs. J'ai quand même de faire full projet et les choper à la suite. Prends ce qui nous donne de la culture. Ça nous permet de faire une quadrienne d'ailleurs. On va la faire. On va l'utiliser celui-là. Toute façon, ça sert à rien de faire ça. Stratégie défensive, c'est bon. On va prendre Reyna qui double bonus de plateforme commerciale. Prochain tour, on a ça. On part sur contrefort.
chope un peu. Tradition navale. Mercenaire, est-ce que mercenaire, je peux pas aller trop droit dessus là? Non, mercenaire, il faut tout. De toute façon, ça va falloir que je up à fond des caravelles à la one again. À la one again. Un petit peu plus de thunes que lui. Pingala sur Osaka. Et on va mettre Shizuka, on va mettre Victor pour que ça soit directement mis en place. Prendre les bons choix là. Deux tours. Il est le os, donc s'il fait un projet, je suis dans la merde. Je connais pas sa cape. Je commence mes pré-builds à la mort là par contre après. Un 20. Donc 4 tours, on a ça. Ok, il faudra choper l'autre après. Pour l'instant, on part sur les galères à fond. On va en faire pas mal. Là, c'est Gaius pour l'instant. Après, c'est bien d'avoir un qui marche avec les caravelles. Ça change pas grand-chose, mais on lui met la pression comme ça, il va faire oh non, il attaque ma ville. On attend pour transformer d'abord en caravelle avant d'up. On a l'oligarchie en plus, on a le plus 5. On va aller casser ça. Y a aussi une route à faire. Cette ville-là va faire la route derrière. En 2 tours, j'ai masse science. Va préparer nos caravelles dans nos villes. Je vais aller faire ça finalement. De la culture.
Je pense que je vais avoir assez de caravelles, j'aurai pas la thune. C'est 180 pour up une caravelle, je crois. Donc on va y aller avec juste quelques pré-builds. Il va falloir que je fasse tout le projet là. J'essaie de récupérer Egaius. Ok, 62 sciences. Cartographie 3 tours. Non, je pense que c'est bon pour les projets. On va faire juste un truc qui va avec avec ça. Mercenaire 4 tech. On y va. Expédition maritime, on y va. Si je peux choper Gaius plus un truc, c'est parfait. Lui, il fait quoi? C'est une promotion en flotte, ok. Et l'autre, c'est promotion itinérale. Bah, on va transférer directement mettre ça là-dessus pour lui mettre un plus 7 contre les unités navales. On va bourrer ça pour être sûr d'avoir le Suze. On va mettre une unité là-dedans. Là, ça a l'air plus près par là. Quoique ça sort au prochain tour. Est-ce que je peux avoir l'âge d'or ou pas? 10 tours, non, j'aurais pas l'âge d'or, l'âge tombe. Derrière, je suis prêt après, c'est pas très grave. Expédition maritime, ça donne de la thune aussi, hein. C'est un gold par tour pour lui. On a fait nos plantations, donc c'était plutôt pas mal. Je veux pas plus de prébis, j'aurais pas les gold. Derrière, je perdrais sur des. Je pourrais partir sur. Après, la défenseur de la foi, mais moi j'ai un plus 5. Il aura jamais les caravelles à temps. A toujours eu deux fois plus de science que lui. Il a 500 de foi. Il va essayer de piller pour avoir de la foi. C'est pas très grave. Tu peux, mon ami. Dans un tour, je te promets l'enfer. Derrière, on tech ça pour chop un projet. J'aimerais bien un petit Gaius. J'aurais peut-être pu aller chercher ça. Me prend d'autres sur le passage. Toujours 75 gold par tour, c'est fine.
J'en laissais juste une dans la... deux dans la cape là. Que j'irai à peu près. On s'attaque le salpêtre. C'est que des one shot pour l'instant. Ok, Gaius, c'est bon. On claque. Plus 3. Il manque un peu de thune pour repérer encore un truc. Okay. On va partir sur des quadrièmes, il est à 32 de science pour l'instant. Qu'est-ce qu'il manque après là? Je peux vraiment le niquer en prenant celui-là aussi, je pense. C'est pas très grave là. Certains se demandent si le pouvoir. GG mec. Ah putain, je pensais. Géoline la religion. Ne peut être utilisé sans volonté. Sans barbare, sans carte. Bah en fait, il y avait vraiment pas de chemin entre nous et. Et puis j'ai vu que t'es parti de ça en fait. Donc ouais, j'ai non, fait. Je sais. Mais en fait, à l'instant où j'ai vu que t'avais ton âge d'or, je savais que c'était mort. J'ai vraiment pris le pari que tu l'aurais pas quoi. Je sais pas comment t'as fait. Bah, c'est pas très compliqué avec le Japon, hein. J'ai fait le. Enfin, déjà, j'ai vu les deux Wonder. T'avais le Eja machin au-dessus de chez toi. Ouais, Et puis, moi, j'ai le plus 3. Enfin, j'ai le. Comment dire. J'ai le campus facile à plus 3 à mettre, avec un récif et un district. Enfin, j'ai le bateau et j'ai chopé pas mal de. J'ai fait deux scouts. Je l'avais large, je crois. J'ai eu 24, je crois, sur 19. Donc, ouais. c'était très large, l'âge d'or. Hein. Ah, je pensais pas. Et du coup, ouais, t'as tes parties religion pour assurer ton âge d'or, en fait, c'est ça? En fait, non, non, je l'aurais eu quand même. J'étais parti religion parce que mon plan, c'était que comme je pensais pas que t'aurais l'âge d'or, il n'y aurait pas de rush caravel tour 45. Et du Ouais. coup, le sim religieux m'aurait permis de taout sim. Et éventuellement de sécuriser la religion si jamais, parce que le Japon, c'est pas. Ouais, mais là, ouais, bah, on a vu, enfin, j'ai vu direct que j'avais masse place, mais j'ai dit, bah, dis donc, on doit aussi avoir masse place, c'est quoi cette map? Et Ouais, ça je sais, mais bah ok, je pensais pas qu'avec le Japon c'était si facile parce que c'était mon pari quoi. Ok. Tant pis. Parce que là, Mais ouais, toi parce aussi, que t'as les caravelles, sinon je te push pas, j'aurais. par contre, tu vois. Si toi Ouais, aussi, t'as les je sais. caravelles. Ah bah si One j'avais shot su tal. justement, hein, j'aurais pas fait de religion et j'aurais pareil, j'aurais fait directement mes ports et voilà quoi, j'aurais les caravelles aussi. Mais... Ouais. Bon, tant Parce que pis. là. Parce que là, ouais. Après, t'avais. Ouais, t'aurais pu faire une ville de plus costale si t'avais. Non, même pas. Faudrait que je rase un bandard. Bandar, elle me dit quand même. Ouais, une ville, ouais. Parce que là, du coup, t'étais contre 3. Ouais, t'aurais pu faire une ville en haut, là, dans la toundra, à côté de la Wonder. Ah, déjà, ma Mais. B3, elle est pas jolie. Mais Moi, bon, ça va encore. je me suis arrêté avec. Enfin, j'ai fait directement mes 4 villes, comment dire. Costal, hein, instant.
Et après, tu vois, j'ai fait juste Tokyo parce qu'il y avait de la culture sur les casse-tapis là. Et puis après, j'ai. Enfin, là, t'as fait T'as eu aucun projet non plus. Panthéon des poissons aussi, j'ai eu. Ouais, j'ai exploité une perle pour ça. T'en avais pas toi dans ta cape? Une perle? Ok, ouais. Ouais, du coup, ouais, j'ai fait. Non, j'avais de la culture, c'était bien. Ouais. Culture. Ouais, bon, j'ai tenté un truc, hein, c'est pas passé, c'est pas grave. Yes. Bon bah good luck du coup, tu veux en refaire un vite fait ou pas? Bah ouais, pourquoi pas. Allez, on se fait plaisir. Si tu veux. Bon, Je clôt la plaisir. vidéo YouTube et je reviens, ok? Ouais, vas-y. Ok, le GG du coup, c'était bien. C'était bien parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a pris les bons choix macro. Il a vraiment parti sur un plan bizarre avec les amiraux. Du coup, bah là j'ai Gaius, j'ai le plus 5, où j'ai one-shoté. Là, je vois choter sa vie, je la touche. Donc là, je perçais la choke. Prochain tour, là, il a beau avoir une birème là-dedans, même s'il fait des murs, ça se fait éclater la ville. Hein. Ça s'est vraiment éclaté. Merci pour les GG en tout cas. Bon, on passe au premier tour. Du coup, j'espère que ça vous a plu. C'est court. L'avantage des games 1v1, c'est que c'est très court. Du coup, et chaque choix, bah là, c'est pas le choix des teammates. Là, on est livré à soi-même sur ses propres goals et tout ça. Je sais pas ce que. Honnêtement, là, je pense avoir fait les choix pertinents. J'ai vu, de toute façon, j'avais pas d'autres choix possibles pour mes villes, pour mes 4 premières villes. C'était ces villes-là qui étaient importantes à placer. Je pense que c'était bien d'acheter les bâtisseurs assez vite pour qu'ils se développent. On a fait pas mal de projets. On a vraiment tout récupéré à coup de projet. Ils nous donnent aussi des golds, hein, l'expédition maritime. Et du coup, bah, avec le contrôle naval et le plus 5 dans les eaux profondes, bah, et les caravelles avant. Là, je sais pas à combien de tours étaient les caravelles, peut-être. Entre 5 et 10 tours, mais entre 5 et 10 tours, il perd toute sa flotte et il perd sa cape. En 1v1, si vous perdez votre capital, vous perdez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire YouTube. Et puis on se retrouvera pour la suite du tournoi 1v1, certainement contre Twiggy, qui est un très très bon joueur. Et puis voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut, salut!